Les habitants de Nzaïan, chantier moderne, ont accueilli favorablement l'arrivée de Hervé Patrick Opianga et surtout l'installation d'une nouvelle cellule du parti UDIS. Occasion pour les membres du bureau de poser les problèmes de la jeunesse du quartier. Il y a de cela deux mois, les populations de notre quartier ont pris l'initiative de mettre sur pied la cellule que vous allez installer en ce jour du 13 janvier 2016. Cela ne s'est pas fait sans heurts, mais la volonté de cheminer à vos côtés sur la route de l'émergence prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a été une source de motivation supplémentaire pour aboutir à cette cérémonie. Plusieurs problèmes étaient évoqués par les jeunes et les femmes demandant au président de l'Union de la démocratie pour l'intégration sociale d'être leur interlocuteur auprès du chef de l'exécutif gabonais. Monsieur le Président, que les jeunes de notre quartier, à l'instar de ceux des autres quartiers de Libreville, continuent de faire face aux mêmes problématiques de la délinquance juvénile, de la conditionnalité précaire et de l'insertion socio-professionnelle. Grande est notre opportunité d'appartenir à votre parti qui met au centre de ses priorités la jeunesse. Depuis la création de l'UDIS, vous n'avez jamais cessé d'être au contact des populations gabonaises économiquement faibles, enlevées pour leur bien-être social. Dans cette perspective, vous avez donc engagé à travers les nombreuses localités de notre cher pays, le Gabon, des actions humanitaires telles que l'organisation des caravanes médicales, des dons aux personnes nécessiteuses. Le chômage des jeunes, la formation des femmes et bien d'autres problèmes qui minent la société gabonaise ont été abordés et la jeunesse du quartier Nzaïan, chantier moderne, garde espoir qu'une solution sera vite trouvée.